Euh, alors, je m'appelle Mathieu Nera. Je suis pêcheur depuis des années. Alors, je dis pêcheur et pas carpiste parce que je pêche un peu, un petit peu tous les poissons depuis, depuis que je suis tout petit. Euh, J'ai commencé par la pêche, euh, pêche de la truite, euh, en passant par les gardons, les carnassiers, un petit peu tout. Et c'est vrai qu'après, je me suis un peu plus spécialisé sur sur la pêche de la carpe. Euh, à la base, je pêchais essentiellement les barrages de ma région parce que je suis donc du euh, du Limousin. Donc la nouvelle Aquitaine anciennement le, le Limousin, plus précisément je suis originaire de Brive-la-Gaillarde. Donc voilà, donc j'ai commencé la carpe essentiellement dans, dans, dans tous les barrages du Massif central. Donc c'était une pêche on va dire plutôt, plutôt sauvage, plutôt pêche de... Euh, voilà, dans les endroits très sauvages, les, les, les grands espaces. Et puis en 2009-2010... Par hasard, j'ai découvert la, la compétition. Alors, j'étais absolument opposé à la compétition jusqu'à ces années-là, donc il y a une dizaine d'années. Euh, C'est-à-dire qu'un enduro, mais ça ne m'intéressait absolument pas. Euh, je ne voyais pas l'intérêt, j'étais allergique même à en entendre parler, je, je trouvais que ce milieu était un petit peu, un petit peu bizarre. Et finalement, j'ai découvert, découvert plein de choses, donc des choses qui étaient totalement différentes de, de, de l'idée que je pouvais m'en faire. Puis du coup, on a commencé à faire des, des, des compétitions, puis à faire les championnats de France. Euh, avec euh, avec mon, mon ami Hugo Pégorier, nous, sommes, nous avons été champions de France en 2011, ce qui nous a conduit à intégrer l'équipe de France dès l'année 2012. Donc en 2012, on est rentré en équipe de France ensemble. On a fait notre premier championnat du monde en 2012 en Roumanie. En 2013, on était encore en équipe de France. On a été au championnat du monde en, en, au Portugal. Ensuite, pour des raisons professionnelles, Hugo a arrêté. Du coup, c'est mon, mon autre ami Mathieu Farge qui a intégré l'équipe de France. Et donc, du coup, on a continué dans la, dans la compétition. En 2014, on a eu la chance d'être vice-champion du monde. En Italie, donc vice-champion du monde en individuel, mais aussi en équipe avec l'équipe de France. Euh, donc, du coup, voilà, on, à partir de là, la, la compétition a pris de plus en plus de place dans, 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 dans notre parcours de, de pêche, on va dire. Alors, sans arrêter pour autant de continuer, on continue toujours à aller pêcher les barrages, euh, les grands espaces. Euh, du coup, ensuite, en 2015, on a fait les championnats du monde en Espagne. En 2016, donc là, ça a été la, le, 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 plus, le plus beau titre. On a été champion du monde en France euh, au lac du Bourdon. Et donc, à partir de, à partir de là, c'est vrai que ça, la compétition a pris encore plus de place. On a, on a, on, on a vraiment voulu en plus. Euh, c'est la période à laquelle la compétition a pris le plus de place, a vraiment commencé à évoluer, on a commencé à, à changer, à comprendre plus de choses sur le comportement des poissons, comprendre plus de choses sur, sur, sur l'approche en compétition qui pouvait, qui pouvait y avoir. Et cette approche-là, on, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait vraiment s'en servir dans la pêche de tous les jours. Euh, je le dis souvent, hein, mais, mais la pêche en compétition, c'est un peu comme la Formule 1 et à la voiture de, de, de tous les jours. Euh, en compétition, on a des, des approches, des techniques de pêche. Qui, euh, en y réfléchissant bien, permettent de comprendre vraiment le comportement du poisson. Et c'est ces choses-là qui nous ont permis à, à améliorer nos, nos approches, nos techniques de pêche euh, sur des barrages, sur des rivières, sur, sur des grands lacs, alors que ces deux milieux à la base ne sont pas forcément euh, amenés à, à être aussi proches. Mais en fait, sur les sur les approches et sur les compréhensions du poisson, on a, on a trouvé énormément de similitudes, énormément de choses intéressantes. Et donc voilà, donc on a continué. On a, et après, on a, on, en 2017, on a, on, a fait, on a fini sur la troisième place du podium par équipe. Euh, C'était sur les championnats du monde en Hongrie. Euh, voilà, et puis par la suite, on a, on a quand même continué. Euh, et puis plus récemment, l'année dernière, euh, on a été avec, euh, avec mon, mon ami Anthony, nous avons été vice-champions de France sur le lac de villeneuve de la donc voilà pour le parcours un petit peu un petit peu plus sportif. Après, je suis aussi impliqué dans plusieurs clubs, associations, euh, fédérations de pêche sportive également. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, j'étais absolument opposé à la compétition, mais de plus en plus, voilà, ce, je me suis je suis tombé dedans et je je fais tout un petit peu maintenant pour développer la compétition et pour essayer également de faire comprendre que la compétition a beaucoup évolué. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de choses. À à, à comprendre de, 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 de ce poisson. La compétition permet également de, de voir beaucoup plus de choses que, que lorsqu'on pêche tout seul sur un barrage. Euh, je me rappelle, je pêchais essentiellement seul ou, ou en binôme a, avec des amis, et euh, ce qu'on peut voir sur une, sur une pêche de, quand, on est, quand on est seul sur, sur un barrage. On peut, on va attraper quelques poissons. Par exemple, si on attrape 10, 20 poissons dans la journée, on n'a pas de point de comparaison. On peut pas savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Tandis qu'en compétition, lorsqu'on attrape 10 poissons avec son voisin, on attrape 30. Euh, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup mieux à faire que ce qu'on pensait. Euh, et Puis là, voilà, la compétition, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, une remise en question permanente. Et, et, et surtout, voilà, d'avoir de, de, des points de comparaison pour, pour, sa, pour savoir si ce qu'on fait si ce qu'on fait est bon ou pas bon, et de permettre justement d'optimiser, de, de, de trouver, de trouver l'approche, la, la, de trouver la technique qui permet d'attraper un petit peu plus de, de, de carpes. Et c'est vrai qu'on progresse beaucoup plus vite pendant les compétitions, on voit beaucoup plus de choses. Euh, c'est vraiment une pêche en accéléré. Et cette pêche-là n'est pas uniquement adaptée à la compétition, on peut vraiment l'extrapoler sur, sur de nombreuses autres situations qu'on rencontre sur des pêches de tous les jours, une pêche loisir euh, plus habituelle de ce que je vois, de ce que je sais en tout cas oui. euh, tu n'as pas la même pression quand tu pêches parce qu'il y a l'aspect compétition donc tu as l'aspect résultat oui. tu n'as pas la même préparation aussi du coup donc est-ce que tu penses que cet aspect justement un petit peu pression de résultat et préparation en amont a changé toi ta façon de pêcher tous les jours alors, effectivement, il peut y avoir, il peut y avoir une pression hein, pendant, pendant une compétition. Il y a, il y a la pression du, du, du résultat, la pression qu'on se met pour, pour réussir. Euh, mais après, ce n'est pas spécialement de, de, de ce côté-là où, où on a vraiment le plus, le plus appris de choses ou le plus euh, vu de, 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 de différences. Ce n'est pas vraiment sur, sur ce côté. Euh, comment dire Ou de, de que tu t'apportes, c'est plutôt euh, plus que ce que tu as pu découvrir en, en voyant les autres faire oui, c'est plus, plus en, en, en voyant, en, en fait, par rapport à ce qu'on pense, euh, il y a énormément d'échanges entre les compétiteurs. En, on échange énormément, on, on compare des, 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 des techniques. Chacun se dit un petit peu, ce n'est pas vraiment des secrets, mais c'est ces petites astuces, ces petites observations. Et en fait, le, le fait de mettre en commun toutes ces petites observations euh, permettent de comprendre beaucoup mieux soi-même les, les erreurs ou les choses que nous, on a, on, on a vues, quoi euh, ce qu'on voit, c'est un exemple. Si on met tous en commun tous nos exemples, ça, ben ça forcément, ça, ça permet de gagner en, en, en expérience, de gagner en, en compréhension. Et c'est toutes ces choses-là, euh, le fait de mettre en commun avec tous les gens qui sont au bord de l'eau le même jour, le, en même temps, euh, ben c'est ce qui permet de comprendre beaucoup plus vite que si on était tout seul à, tout seul à pêcher sur, sur le lac. Quoi. Et forcément, ce que tu as appris, euh, tu le réappliques plus tard Bien sûr. Comme euh, parlé oh. tout à l'heure, qu'en en fait... Euh être en compétition, du coup, enfin, être avec des compétiteurs, euh, forcément, tu apprends plus vite. Bien sûr. C'est comme euh, quand tu fais du karting, par exemple. Tu suis quelqu'un qui va plus vite que toi, forcément, tu apprends mieux. Bien apprends sûr. plus vite et Bien coup, sûr. tu deviens meilleur. C'est exactement ce qui s'est passé un petit peu de, dans notre région. Dans notre région, on était plusieurs équipes à, à avoir commencé un petit peu la compétition en même temps. Et le fait de. de entre guillemets de se tirer la bourre euh, ben, ça fait progresser tout le monde quoi et en fait le, le, le niveau global de la compétition dans, dans, dans la région parce effectivement la plupart des compétitions on les fait quand même dans notre région en premier et c'est ce qui a vraiment euh, contribué à avoir un noyau de compétiteurs dans, dans la région de plus en plus grand et de plus en plus perfectionné et c'est sûr que cette émulation que, que créent que crée les, les résultats des, des uns et des autres eh ben, ça fait progresser le... chacun progresse euh, énormément quoi. Ouais, donc euh, c'est euh... C'est en fait, c'est parti d'un constat qui était un peu cliché. Ouais. Parce on a eu les conversations ce matin. Euh, on est parti d'un constat qui était un petit peu cliché et un peu vrai aussi. Ouais, il faut Après dire ce qui est. La compétition il y a quelques années, c'était pas, pas terrible. Quoi. Il, y avait, il y avait plein de choses qu'on que, qu traîne encore quoi, comme un boulet. C'était pas forcément une belle image à, à, à véhiculer. Euh, mais c'est plus ça, quoi. Ça, a vraiment, ça, la compétition a vraiment évolué. Il y a vraiment ce côté, ce côté compréhension du milieu. Alors, bien évidemment, respect du poisson, euh, respect de la nature. Mais vraiment, cette ce, notion de compréhension du poisson, d'essayer d'optimiser les, 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 les approches, euh, c'est des choses qu'il n'y avait pas forcément avant, avant dans les enduros. Euh, au tirage au sort, la limite, on savait qui c'est qui allait gagner. Ou euh, c'est celui qui allait boire un peu moins que les autres qui allait gagner. Euh, ça, voilà, ça se fait plus trop. Euh, Voir, ça n'existe plus. En tout cas, dans la compétition, ça n'existe plus. Euh, c'est vraiment ce côté, oui, ce côté compréhension de, de, et approche pour essayer d'attraper toujours un peu plus de carpes, un peu plus quelques poissons supplémentaires. Quoi. Du matériel, il en faut. je dirais que c'est pas du déballage de matériel pour se montrer ou pour, pour, pour déballer du matériel, c'est vraiment dans le but d'essayer d'optimiser de, euh, les résultats, d'optimiser le confort du pêcheur, parce que forcément, sur trois jours, euh, si on n'est pas à l'aise, si on n'a pas la canne qui va bien pour la bonne situation, donc c'est vrai qu'on peut, on peut se retrouver des fois sur une compétition, avoir 10-15 cannes de sortie alors qu'on pêche à deux cannes, mais en fait, il faut bien savoir que chaque canne à sa, à sa spécificité, chaque canne a ce, a ce petit détail en plus euh, qui va faire bah, que dans cette situation-là bah, on utilisera plutôt cette canne plutôt qu'une autre, ça peut permettre de moins décrocher, ça peut permettre d'aller chercher un poisson plus loin, et c'est pas juste du déballage de matériel pour faire beau, c'est vraiment parce qu'il voilà, y, y a une utilité et la pêche devient tellement technique qu'on est obligé d'avoir plus de matériel pour répondre à toutes les situations ça fait partie des trucs que tu as appris en compétition du coup, le fait d'avoir des cannes bien... Enfin, Adapté à la pêche que tu souhaites faire. bien sûr, bien sûr. Alors, on en apprend, on en apprend chaque jour, on en apprend à chaque fois qu'on est au bord de l'eau. De toute façon, on en apprend, mais c'est sûr que sur chaque sur le nombre de situations qu'on rencontre, on a forcément vu des, des choses euh, qui nous ont fait comprendre. Mais bah oui, cette canne elle va bien pour cette situation, cette, celle-ci elle va mieux pour, pour ça. Et, et le fait de recroiser toutes ces informations-là à plusieurs, avec plusieurs expériences, eh bien on se rend compte que eh dans ce type de situation, eh bien on prendra cette canne plutôt qu'une autre. Alors on parle de canne, mais c'est vrai pour tous pour tout les, 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 les maillons de la chaîne, que ce soit l'hameçon, le fil, euh, la tresse, le, le, le moulinet. Euh, chaque petit détail a une importance et c'est la, la juxtaposition de tous ces petits détails qui permet à la fin d'avoir quelque chose qui est plus opérationnel que. Que le voisin ou que les autres, et, et forcément après, après chaque nouvelle expérience, toutes les, ces petites choses qu'on apprend, c'est ce qui permet voilà de, de, de trouver plus rapidement la meilleure solution adaptée à la situation. Parce que ça serait trop simple si on avait une canne qui était parfaite pour toutes les situations. Euh, une fois qu'on l'a, ça serait, ça serait fini. Quoi. Or, heureusement, c'est beaucoup plus, plus compliqué que ça. Chaque situation est différente. À chaque fois, on a besoin de, de choses différentes, que ce soit un montage, que ce soit un hameçon, euh, un grammage de plomb, une canne. Et, et plus on aura d'expérience, plus on aura rencontré de situations, plus vite on trouvera la bonne solution ce jour-là. En gros, c'est des équations à résoudre. Et plus vite on trouve le, le bon résultat, plus, plus on a d'expérience, plus vite on, on va trouver le, le bon résultat pour, pour, pour la situation qu'on rencontre. Enfin, c'est une question un petit peu bateau, mais c'est ce genre de question moi, qui m'intéresse. <laughs> si. euh, pour quelqu'un qui a jamais fait de compétition, oui. qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui conseilles d'apprendre en premier quel Est à ton avis le, le meilleur moyen de se lancer en compétition Alors, déjà, pour... si on part du principe, pardon, si on part du principe que tu as déjà un peu de matériel, que tu sais payer, bien sûr, etc., bien sûr, tu n'as jamais fait de compétition, mais que tu sais faire et que tu as envie de te lancer. Voilà, tu lancer. as les bases de la pêche, tu te dis voilà, j'ai envie de découvrir autre chose et je veux faire un petit peu de compétition. Alors, déjà, il faut faire attention à quelle compétition on va faire. Il euh, y a plein de compétitions sans, sans être sans être méchant avec la compétition, mais c'est des Petites compétitions qui n'en sont pas, c'est-à-dire que euh, il n'y aura pas le côté compétition dans le sens où euh, si au tirage au sort on connaît le résultat, il n'y a pas d'intérêt. Il y a des endroits qui se prêteront jamais à la compétition. Il y a des endroits où il n'y a pas ce côté équité entre les postes. Le but d'une compétition est de qu'en mettre. Et quand même de mettre en avant le pêcheur ou la technique du pêcheur. Si c'est le poste qui fait tout, si le mec gagne euh, un enduro parce qu'il est sur le meilleur poste, il n'y a pas d'intérêt. Euh, si à l'inverse, le mec qui termine dernier parce qu'il va pêcher, il pêche un cimetière où il n'y a pas un poisson à attraper, ça ne veut pas dire que le mec n'est pas bon. Or, euh, pendant des années, ça a été ça. Dès qu'il y avait un endroit avec de l'eau et des carpes, on organisait des enduros. Or, avec l'expérience, on s'est rendu compte que certains endroits étaient adaptés aux compétitions et d'autres pas du tout. Et je pense que le plus important pour ne pas se dégoûter des compétitions, euh, c'est vraiment d'essayer de choisir des compétitions où il y a le maximum d'équité entre les postes. C'est-à-dire que quel que soit le tirage au sort qu'on va avoir, quelle que soit le, la place qu'on qu aura à pêcher, on aura autant de chances d'attraper des poissons quasiment que son voisin. Et déjà, à partir du moment où on va vers ce type de compétition-là, ça devient une compétition de pêche, ce qui n'en est pas une, le, le reste c'est de la loterie, c'est du hasard, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas une compétition de pêche. Donc déjà, quand on a bien choisi euh, sa compétition de pêche, après, voilà, c'est très simple, il suffit de se lancer. Euh, on rencontre des gens, des gens exceptionnels dans, dans, dans la plupart des compétitions. Il y a des gens super intéressants. Il ne faut pas avoir peur, justement, de, 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 de se lancer au début. Au début, effectivement, on peut, ça peut être un petit peu compliqué au niveau des, des, des résultats. Il ne faut pas hésiter à, à vraiment regarder ce que fait son voisin, regarder ce que, ce que font les autres pêcheurs, euh, discuter. À la fin, il y a, en général, ça se passe toujours très bien il y a toujours une très bonne ambiance. Il y a un échange entre les pêcheurs. Il euh, ne faut pas hésiter à aller justement. Discuter avec les, les, les gens qui font de la compétition depuis plus longtemps, leur demander pourquoi eux ils ont attrapé des poissons et pas nous. Euh, pourquoi ce jour-là, ben, lui il a réussi à en prendre 10, nous on en a fait qu'une. Euh voilà, et puis ça, ça sera la première expérience. Et puis plus ça va aller, plus, euh, plus il y aura de compétition, plus on, on pourra découvrir de, de, de situations différentes, plus on va se rendre compte, bah, que plus on va engranger soi-même de l'expérience, on va comprendre des choses. Et puis après, voilà, on, on aura mis un doigt dans l'engrenage, on sera parti, on pourra faire des compétitions, euh, en faire d'autres. Parce qu'on a parlé un petit peu du fait que vous avez pratiqué d'autres types de pêche. Oui. Et euh, du coup, ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, c'est... Euh, 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 du coup, ça t'apporte une vision qui est sans doute différente de pas mal d'autres personnes qui ont pratiqué toujours qu'un seul type de pêche. Euh, Est-ce que toi, tu as vu des, des recoupements Est-ce qu'il y a certains types de pêches qui t'ont apporté euh, des indices ou qui t'ont permis de faire la différence Bien sûr. Soit en compétition ou seulement pour le plaisir Bien sûr. Euh, toutes les pêches se recoupent à un moment ou l'autre à un moment ou l'autre, euh, que ce soit le, le pêcheur de carnassiers, que ce soit le pêcheur au cou. Euh, alors, le pêcheur au feeder, peut-être encore plus parce que c'est des techniques encore plus proches et très souvent on pêche les mêmes poissons, que ce soit des poissons blancs que nous on veut éviter, qu'eux veulent attraper. Mais en fait, on se rend compte que éviter un poisson ou l'attraper, finalement, c'est un petit peu la même chose. Mmh. Euh, toutes ces pêches se recroisent au moment ou l'autre. Euh, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre suffisamment de recul pour essayer de, de, de comprendre et pas juste s'arrêter à, à, à ce poisson qui, qui est recherché. Par exemple, pour les pêcheurs de carnassiers, euh, ils ont, des, des, ils ont des, des, des observations qui peuvent nous servir nous, euh, lorsqu'on pêche la carpe, euh, comprendre comment le, le carnassier se comporte. Euh, c'est intéressant. Par exemple, nous sur des pêches, pour prendre l'exemple, par exemple sur une pêche aux zig euh, sur les pêches aux on se rend compte que la carpe a un comportement comme un poisson carnassier, c'est-à-dire que euh, la pêche aux donc c'est la pêche entre deux eaux, on crée une colonne, une colonne alimentaire dans laquelle la carpe va venir chasser les particules, euh, les particules en suspension, et à ce moment-là, la carpe a un comportement de carnassier. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en discutant avec des pêcheurs de carnassiers qui, euh, qui ont l'habitude de changer de, de, de couleur de leurre, de changer d'animation, nous, on se rend compte que sur les zigs, c'est la même chose. Certaines couleurs de zigs, il ne faut pas hésiter à changer de couleur, changer les hauteurs, changer, mettre en mouvement. Et on, on, on arrive à trouver des similitudes entre le pêcheur de carnassiers qui anime son leurre et le pêcheur de carpe qui, justement, va mettre son zig entre deux eaux. Alors là, c'est un des exemples, mais des exemples comme ça, il y en a, il y en a plein et, et des dizaines. Quoi. Et... Euh, par exemple, sur des pêcheurs sur des pêches au, au, au feeder. Alors, je me suis mis un petit peu au feeder, un petit peu pour ça, parce que très souvent, nous, les brèmes sont un problème. Euh, C'est-à-dire que ça nous empêche d'attraper des carpes. Euh, on a l'impression déjà que c'est extrêmement simple d'attraper les brèmes, que ça mord très facilement. Mais nous, ça nous pose souci. Et finalement, en, en discutant avec des pêcheurs au feeder et en pêchant nous-mêmes au, au, au feeder, on s'est rendu compte déjà que la brème n'était pas si simple que ça à attraper. Quand on, quand on la cherchait réellement. Et le fait de comprendre le comportement des brèmes, ça nous permettait justement, le, le fait de savoir les attraper, ça nous permettait de savoir les éviter également. Et du coup, ça nous a appris énormément de choses lorsqu'on veut pêcher les câbles dans les endroits où il y a beaucoup de brèmes. En tout cas, voilà, toutes les pêches se recoupent un moment ou l'autre. De euh, toute façon, dès que c'est un rapport avec les poissons, il y a, y a toujours à comprendre, il y a toujours à interpréter. Quoi. On apprend toujours. Hein, toujours. On bon, dirait que le mot de la fin qui serait pas mal, ce serait de dire de garder l'esprit ouvert. Oui. Oui, oui faut... je pense que le pire pour un pêcheur, c'est de dire j'ai tout essayé ou j'ai tout compris. C'est les deux choses, je pense, le, le, le pire dans, dans, dans la pêche. Le jour où j'aurai tout compris, je pense que ça sera le temps d'arrêter. Euh, mais ce n'est pas prévu pour tout de suite. Donc il y a encore tellement à apprendre, tellement à comprendre. Donc euh, c'est pas pour tout de suite la fin. Quoi. Ok, super. Moi bon, je pense qu'on en a appris pas mal. Mais avec plaisir. Et puis on en apprendra encore plus dans les prochaines vidéos. Euh, j'espère, j'espère, <laughs> j'espère. En tout cas, j'en apprends tout le temps à chaque fois que je suis au bord de l'eau et j'espère que c'est pareil pour vous. Et bon, on apprendra avec toi. Avec plaisir. Merci, Merci. à bientôt. Merci. Ciao.